Danny Glover in the house. This is a movie star here, and he's with the candidate, maybe the next president of Haiti. Mr. Glover, it's a pleasure seeing you here. And what takes you, why are you here? Well, I came specifically to New York this time to support at a fundraiser to support Dr. Noyes and a campaign to be Haiti's next president. The first woman, first female as president of Haiti. I'm proud to be here. I've been a longtime supporter of her and family Lavalas. And I'm happy that the Haitian people have a real opportunity to work with you and to make the changes that they deserve, the appropriate changes for justice, health, education, all the things that you've stood for years and years and years and fought for heroically. I'm proud to be your fan, and I'm also proud to endorse you as the next president of Haiti. Deux, trois après la pause, nous sommes encore une fois avec peut-être la prochaine présidente de la République d'Haïti, ce sera une femme peut-être, le docteur Maryse Narcisse. Le Parti Famille Navala, c'est à New York, il y a des gens qui l'attendent déjà, donc on n'a pas beaucoup de temps pour cette deuxième, troisième tranche de cette interview. Fois ça, le docteur Narcisse, on parle à la diaspora. Vinouez-nous, on est à New York. Qui ça qu'on gagne? Dis-nous qui ça qu'on gagne pour nous dans Jakoutou et qui ça que nous-mêmes dans la diaspora, nous expectons de Parti Famille Navala. Si on arrive au pouvoir, qui j'en absente? Côté nier, côté positionner nous dans le programme. Bon. Moi, je crois que depuis l'année passée, je suis venu d'abord à New York en juillet 2015. Okay. Et je suis allé à Miami en août 2015 et hier à Boston. Okay. Moi, j'étais clair sur qui gens nous est, qui proposition nous avons pour Haïtiens qui vivent à l'étranger. Okay. D'abord, moi, je pensais que nous déjà nous avons la loi 2002 qui était bail certains acquis à diaspora gain reconnaissance double nationalité, mais nous pensons que grand pile bagarre encore pour faire. Ça veut dire que malgré vraiment, est-ce que vraiment implémenté, est-ce que nous gain reconnaissance double nationalité, mais jusqu'à présent constitution pas vraiment li pas clair sur jouissance droit politique. Okay. Moun qui gain double nationalité. Très bien. Donc, pour nous-mêmes, il y a des choses qui sont importantes. D'abord, c'est intégrer la diaspora dans toute sphère de vie politique, économique et sociale. Okay. Pays. Okay. Diaspora, je veux dire, elle est présente en Haïti, puisque elle a un rôle, contribution financière, la contribution à l'économie pays, sont des choses extraordinaires. Okay. Et lui permettre, c'est presque 2 milliards de dollars par an que diaspora voyait en Haïti pour famille. Okay. Et ce qui représentait déjà 25% PIB pays. Donc, nous pas qu'à dire que je veux dire, c'est seulement la contribuer et que pas qu'à participer, n'a rien d'autre. C'est ça. Donc, nous pensons que il faut que nous voulons proposer, enfin, nous avons proposé un projet de loi dans le Parlement pour que Haïtiens qui vivent à l'étranger soient représentés au Parlement. Représentés au Parlement. Ce n'est pas le premier pays qui a fait ça. Très bien. Dominicaine fait, okay. Italie fait, la France fait. Vous voulez dire que nous avons des sénateurs et des députés de la diaspora. Diaspora qui représentaient au Parlement. Et qui représentaient diaspora au Parlement. Okay. Okay. Par exemple, la France, il y a 12 sénateurs. La loi française a dit 12 sénateurs
et 11 députés qui représentaient Français qui vivent à l'étranger au niveau des deux chambres du Parlement. Donc, pour nous, c'est un bagage qui est important. Pas gagner tout qui empêchait que un Haïtien vote à l'étranger. Oui, il y a pile pays qui fait ça. Donc, il va falloir que nous mettions des structures au niveau de consulats à l'étranger pour que nous capables, justement, permettre que le vote des Haïtiens. Okay. Ensuite, tout, nous, et compétences. Puis, il faut nos compétences pays, puis il faut nos cerveaux pays, hein, Haïti, à l'étranger. Ouais. Hein? Nous disons nous voulons développer. Il faut que nous fassions appel à toutes compétences. Ça, pas qu'un pays qui a sorti de sous-développement sans que le baguette des compétences qui accompagnent. Okay. Moi, nous pensons tout que au niveau de. C'est vraiment un document, préparer un document de stratégie politique qui adressait les problèmes auxquels la diaspora a confronté. Okay. On a parlé de problèmes de jouissance, oui, droit politique, de droit politique. Et, pour nous voter, pour nous voter nous-mêmes, tout, des élus dans le pays. Hein? Ce n'est pas ça tout. Mais appuyer l'initiative que la diaspora a fait en termes de développement local. Grand pile diaspora qui tourne la caillou, qui vient, qui est bâti hôtel dans telle commune, dans telle section communale, et qui a participé dans la vie. Et il est très difficile pour vous, il y a deux fois pour vous faire. On connaît, c'est ça. C'est très difficile. Nous avons plus d'oléances, tout nous-mêmes comme diaspora. Il y a investissement. Oui. Il faut protéger l'investissement diaspora. C'est ça. Je dis, si nous disons que nous avons favorisé l'investissement étranger, diaspora, je dis que, enfin, fonds diaspora, Il représentait une somme énorme. Okay. Et seulement si diaspora a accepté d'investir en Haïti, il a porté un gros souffle pour payer. Mais il faut que des conditions qui réunissent. C'est-à-dire que je dis, pour diaspora, pour le venir, il faut gagner sécurité. Il faut gagner infrastructure tout. Il faut gagner électricité, il faut gagner de l'eau potable. Les gens dans l'autre bord, s'ils gagnent un problème de santé, pas gagner des difficultés. Donc, il y a pile bagaille. Il y a pile de conditions qui pourraient être remplies. Mm-hmm. Nous pourrons travailler sur eux pour que la diaspora retourne et vienne travailler la caille. Mais parce que la caille, c'est la caille. Tout à fait. Qu'on voulait qu'on parle. Deuxième bagaille qui arrivait, c'est que il y a un pile de problèmes tout que vous confrontez. Là, on vit à l'étranger, on haïtien vit à l'étranger. On retrouve nos situations, on a besoin de papier en Haïti, papier. De naissance, papier terre, tout bagaille, ça, ce sont des difficultés. Ça veut dire que ça, c'est des problèmes que la diaspora a confronté chaque jour. Ensuite, il y a des problèmes, tout, il y a en Haïti, il y a acheté terre, il y a bâti. Et bien, subitement, un jour, il y a appris que terre côté où tu es bâti, il n'y a pas de pouillot, papier terre, il n'y a pas de bombe, il y a des voleurs, ou bien tu connais que là, il est arrivé, c'est sous nous, pour nous. Donc, c'est autant de problèmes que la diaspora a confronté que nous voulons adresser. Parce que ce n'est pas seulement contribution économique, mais c'est contribution entière diaspora dans le processus, impliquer diaspora dans le processus de développement Haïti. Okay. Vous dites un petit bagage qui fait nous content, hein, parce que nous sentons tout le problème, ça, qu'on est au courant de vous. Mais qu'on est là, nous voyons qui gens, dans la pratique, vous parlez de vous. Parce que vous avez résoudre. Et $50, qui sont pas le faire avec vous? Kembeli, $50, taxe ça que vous prenez. Non seulement $50, 5 centimes appel. Est-ce que vous continuez Kembeli? Oui. Est-ce que vous avez une idée, ou même qui n'a peut-être, on est, qui j'en fouille et vous joignez, vous avez une idée combien vous blanchez, et ou même l'Ovini, si vous joignez comme ça, est-ce que vous avez Kembeli $50 et qui sont pas le faire avec? Bon, le premier bagage pour moi dit, c'est que moi, quoi que diaspora attache à pays. Ok. Ça veut dire que l'idée de 40 ans à vivre dans un pays étranger, quel s'en a été lié. C'est vrai. Hier, moi, j'étais dans Boston, j'étais passé dans un centre pour mon âge. Ah. Et c'était des retraités haïtiens qui étaient là. Okay. Il y a des gens qui criaient. Ils ont dit, tu as aimé tourner la caillou. Je t'ai remis à la vacances là, je t'ai remis les frais durs en rivé pour qu'ils font deux mois frais durs. Je n'ai pas de l'âge, ça encore pour frais durs. Mais au peur, problème de sécurité, problème si on est malade. Il y a des problèmes de santé, si on est malade, qui s'est fait. D'accord? Donc, si je retourne à $50 là, Haïtien, tu as 50 ans aux États-Unis, qu'elle marie avec pays d'Haïti. Il n'y a pas de problème pour le bail $50. Haïtien n'a pas de problème pour le bail $2. Okay. Ce n'est pas ça le problème là. C'est pas, il n'y a pas de problème que vous prenez 5 centimes sur appel. Ce n'est pas vrai le problème là. Le problème là, il besoin qu'on ait qui se fait à l'argent.
Okay. Il a besoin de connaître l'argent allant en Haïti. Est-ce que son nouveau millionnaire le fait? Justement. Il a besoin de connaître. Donc l'argent, ça, pour nous, c'est l'argent qui doit fiscaliser et doit rentrer dans le budget. Parce okay. que, pas grand qu'un monde, enfin, dans la diaspora, pas grand qu'un Haïtien qui vit à l'étranger, s'il connaît que le bail 1,50$ pour l'éducation, pour améliorer l'éducation dans le pays d'Haïti, s'il connaît le bail 1,50$ pour améliorer la sécurité en Haïti, qui a refusé le bail. Donc, oui, on adresse ce problème-là, c'est mettre l'ordre dans des ordres. C'est une bonne gouvernance, c'est gérer l'argent qui a rentré en façon okay. pour que le monde qui a bailé en haut, qui s'est offert avec lui. Très bien. Un autre aspect que peut-être nous, avant de finir, nous voulons parler avec vous. Il y a des gens qui pensent que le nouveau gouvernement vini, le gouvernement qui est là avant, évidemment, et il a reproché de plusieurs bagailles. Est-ce que ce gouvernement, c'est sûr, il y a des gens qui disent qu'il ne va pas faire la chasse aux sorcières, mais impunité, hein, qui va gérer ça? Impunité, les gens qui sont sous gouvernement avant, qui étaient peut-être, qui ont des accusations contre eux. Le gouvernement pour la montée, qui va gérer le dossier? Bon, de toute façon, on n'a pas obligé de renforcer l'état de droit. Renforcer l'état de droit. Pas qu'à gagner impunité. Sous gagner impunité, c'est-à-dire que. C'est même bagarre là qui continue, on pas besoin de sortir là-dedans. Okay, okay. Il faut que mais en même temps tout, il faut nous respecter les droits citoyens. Par exemple récemment, où est que je libérer des prisonniers, tout le monde dit pas d'accord. D'accord. Mais moi entendais, m'ta écouter commissaire là t'a parlé, il dit que c'est au monde, il finit purger peine, il a une peine de 5 ans, il gagne 7 ans en prison. Son abus ou fait là. Tout. OK. Je dis, mais c'est Mounsa qui peut le faire acte là. S'ils font l'autre acte, on va arrêter pour un nouvel acte que le faire. Okay. Mais ce n'est pas parce que la prison, si peine est fin purgée, que pour le faire, pour ne pas jamais l'heure quitter la prison. Oui. Même j'ai entouré des gens qui ne peuvent pas jamais passer devant un juge naturel. Ça, c'est un abus. Très mais en même temps, il y a des gens qui posaient des actes qui ne peuvent pas jamais juger pour les actes qu'ils posaient. Donc, je pense que renforcer le système de justice là, son bagage qui prend essentiel okay. pour que tout pour nous reprenne. Bah, et ça important, important pile. Alors tout ça, c'est évidemment, nous avons dit, c'est des paroles, c'est la théorie. De la pratique, vous pensez que tout programme ça, par exemple, le programme familial, ça, vous pensez que le cas atterri vraiment dans le gouvernement, c'est réel, sous présidence ou? Oui, le programme familial, ça, je pense que le cas atterri. Pour quelle raison je dis ça? C'est que nous ne pouvons pas annoncer des bagages qui ne sont pas faisables. Ok. Ben non, un bagage, vous pensez que faisable rapidement, tout de suite, après que Chita sous chaise bouillée, élection faite, ou gagne élection, on nous dit, supposé, ou il veut président, ben un bagage, vous pensez qu'il est faisable, qui est réel, qui est réaliste, et qu'on va faire immédiatement, peuple absenti. Ça, mon radio, là, ce n'est pas ordre de priorité. D'accord. On parle pas de. Ou urgence, ou immédiat. Un bagage que nous pensons qui est excessivement important dans le pays. L'on prend, on a parlé de justice sociale, on a dit tout pour ces monde. C'est question citoyenneté. Citoyenneté, ok. Là, je me dis ça, madame, qui s'allie. Oui, oui, oui. Hein? Ça, madame. Ça, moi, je voulais dire, c'est que il y a des gens qui fêtent dans le pays, hein? Qui vivent dans le pays, hein? Qui mourent dans le pays, hein? Qui ne sont pas enregistrés en quel côté. Ok. Vous saisissez, là, je me dis ça. Oui. Mais tout le monde a dit qu'il n'y a pas citoyen pays, hein, pendant qu'il y a un pays. Il n'y a pas de papier alors. Il n'y a pas de papier. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'acte de naissance, il n'y a pas de papier pour identifier. C'est très souvent là où vous faire un passeport, là où vous faire un bagage, que vous avez réalisé que il n'y a pas d'acte de naissance. Ok. D'accord. Et que l'acte de naissance, il n'y a pas d'archive, il n'y a pas d'aucun côté. Il n'y a pas d'exister. Il n'y a pas d'exister. D'accord. Okay. Et bagage là, prénom. Nous pensons que son bagage, c'est certain monde, les prénoms. Un petit jeune homme récemment que je connais, il prend le nom bourse, il joue dans bourse d'études. Quel âge dit 23 ans. Et puis, il est allé dans l'archive pour le point extrait des archives. Il arrive, il était acte de naissance, pas vieux, puisque l'acte de naissance là, c'est 23 ans le gain. Oui. Soit acte de naissance que le Québec, bien. Et puis, il dit, il n'y a pas de livre qui marque sous l'acte de naissance, il n'y a pas existé, voir pour page là. Et voilà que jeune homme ça a retrouvé la chercher certificat de baptême dans l'église côté de baptisé. Okay. Il est obligé de faire jugement et pour première fois, il est enregistré dans le pays comme citoyen. Okay. Mais là, réalité, c'est que question de citoyenneté, il y a un pile impact en Haïti. Okay. Nous pensons qu'il faut nous avoir un code biométrique. Un code biométrique. Dès la naissance. D'accord.
c'est quatre ça qui pour permettre tout faire toute sorte pour faire. D'accord, et pour faire ou gain accès à des programmes sociaux, c'est avec 400 pour l'école, c'est avec 400 on passe examen baccalauréat, c'est avec 400 pour entrer à l'université, c'est avec 400 pour le voter tout. Comment système social sécurité à peu près, non? On quatre. Qui identifie comme citoyen. D'accord. Comme citoyen ou un numéro. Et quatre de citoyenneté que nous avons là. Mais quatre de citoyenneté a commencé à partir de 18 ans. Donc ça veut dire que tout le monde entre 0 à 18 ans n'a pas existé. Or, dans le mandat Office national d'identification, vous supposez identifier tout le monde. Très bien. Et il faut nous joindre et nous-mêmes nous penser que son travail qui doit commencer, qui doit faire, si nous voulons sortir, c'est un démarrage pour payer. C'est à partir de là, on va faire un programme social. Si on ne connaît pas combien de gens qui vont à l'école, qui est sur eux, on ne connaît pas qui mourit tout, puisque les gens ont mouru. Pas gagné qu'un péché, je dis, et Jean-Joseph mourit, il est mal déclaré qu'il mourit, moi dit c'est Georges et Samuel qui mourit. Donc ça, son bagage est chargé. Donc ça a créé un pile problème dans le pays. Intéressant. Il y a un problème, question terre. Hein? Ou pas, j'aime qu'à connaître, moi, l'intel, c'est petit intel, moi, c'est pour moi, terre. Mais le bagon papier, qui a dit que c'est lui-même qui. Le problème accès à crédit. Banque Dieu, si on a un problème, il y a un problème d'identité, moun qui a vu le crédit la caille. Très d'accord? Bien. Parce que, par un papier, par un. C'est peut-être son gros projet lié, mais son bagage qui est nécessaire pour permettre que le pays a démarré. Intéressant. Il y a accès à crédit, il y a à tout bagage. Moun a traversé un territoire voisin, il faut avoir une identité. Okay. Hein, c'est donc, ça, pour régulariser le papier comme. C'est comme ça, résidents, nos pays voisins et tout ça. Très bien. Donc, nous avons un système déjà en place, nous avons une proposition pour nous faire nous avons une proposition, nous commençons à nous chercher qui côté nous peut joindre financement pour nous commencer à faire ça. Et il faut le faire de tous côtés. Et tout on il faut nous mettre un point final. On monde qui était les Jean-Joseph, c'était côté, il était les Jean-Joseph. Il faut choisir un nom. Il faut qu'à partir de ce moment-là, il était identifié. Il était identifié. S'il choisit Georges Joseph, il est le Georges Joseph. Son problème, sécurité, tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que par contre, qui est son affaire, oui. Lorsqu'on passe pour ça, crée un bon problème. Sécurité pour pays qui voisins, sécurité pour. Parce que n'importe qui capable de faire un passeport, capable de faire. Donc, c'est des bagailles pour nous prendre au sérieux. Okay. C'est-à-dire, si nous voulons vraiment améliorer et situation et pays. C'est bien intéressant et différent, hein, parce que je me posais plusieurs fois la question ça. Là, je joins un bagage concret, direct, qui vous dit au cas biométrique, c'est le premier bagage qu'on fait. Maintenant, nous allons finir. Ce n'est pas le premier bagage qu'on fait. Alors, je bien dire que ça, c'est une priorité. Si d'accord. On parle de tout le monde, c'est monde. Si on parle de justice sociale, ça, c'est un bagage qui est excessivement important qu'un citoyen identifie comme un citoyen dans le pays. Très bien. Et c'est différent, c'est pour les fans d'entendre ça. Maintenant, on allait, nous pas le finir, malheureusement. Processus électoral, ou quoi la donne? Vous pensez que vous faites confiance à ce système-là? Élection 9 octobre, vous pensez que tout a bien passé? Vous pensez à bien élection vraiment? Et vous pensez que la fiable, résultat, d'après vous? Bon, et d'abord, je me demande qui définition de confiance. Bon, c'est pas connu. Sous système en place, conseil électoral provisoire. Là. Ça veut dire que, bon, évidemment, t'es grand pile problème. Voilà, puisque il y a des bagailles qui améliorées pour qu'on question mandataire là. Mais ce n'est pas tout bagaille qui est parfait. Okay. Mais moi, je pense que c'est de voir toute partie politique pour y être véatif. Okay. Et pour y suivre avec beaucoup d'attention le processus électoral là. Très bien. Et moi, je pense que si, enfin, depuis qu'il y a élection libre, honnête, démocratique, moi, je pense que tout le monde a respecté le résultat. Très bien. Et moi, je pense que. Ou confiante ou confidente que le résultat a en faveur du Parti Famille Lavalasse? Depuis qu'il y a élection libre, honnête, démocratique, Famille Lavalasse a remporté la victoire. Intéressant. D'accord. Il y a une perception qui dit que le gouvernement qui est là, on appelle le gouvernement privé là, il y a sans outil, préférence, outil, il y a des bons amis avec Lavalasse. Et que priorité, ça, c'est le monde qui a acheté qui a parlé, je parle pour tout, parce que Fonbaï a parlé. Vous pensez que vous avez favorisé nous dans l'élection? Qui sont les gens ça? Moi, je crois que je répète à plusieurs reprises. Et nous pas au pouvoir, famille Lavalasse pas au pouvoir, l'aider à coucher le pouvoir. Mais en proximité quand même, le gouvernement. C'est-à-dire que nous pensons que tu as une nécessité pour que tu aies de l'autre condition qui permettent que
tout le monde à l'élection sans parti pris. OK. Ça n'est pas le cas sous gouvernement précédent. OK. Quitter, c'est l'argent de l'État, c'est machine d'État qui t'a fait campagne candidat à la présidence. Nous comprenons ça. Je dis, je vais être là, tout le monde égal. OK. Et que le meilleur gagne. Très bien. Et depuis que l'élection, ma prédit la cour libre, honnête et démocratique, il faut que la valeur a remporté la victoire. Nous avons une femme présidente. Pas de doute. Pas de doute. Pas de doute sur ça, nous avons une femme présidente. D'accord. On nous fait signe qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et pour terminer avec cette prochaine femme présidente qu'on aura peut-être le 9 octobre prochain, nous avons même à côté d'elle, on voit évidemment l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, il fait partie du parti Famille Lavalas. On ne voit pas un mari. Est-ce qu'elle a un mari? Est-ce qu'elle est mariée, des enfants? Nous ne pouvons pas parler de l'aspect ça. C'est important de savoir. Non, je ne suis pas mariée. Okay. Je suis mariée, divorcée, okay. Avec une fille. Ah, et d'accord. Donc. C'est là, bien, et au gars avec un peu de courage, hein, parce que nous connaissons bataille politique pas facile, donc quand même, ouais, c'est solide, son femme vaillant, il semble. Bon, je préfère que c'est l'autre monde qui dit. D'accord. C'est même, j'allais vous poser une question, pour qui ça, c'est moi-même pour voter. Oui. En général, je préfère que c'est électeur qui répond à une question ça. Je vais une réponse correcte, ça, parce que nous, et une fille, une femme, mm-hmm. En général, on va faire différemment. D'accord. Et moi, je pense que les ouais, détails, ce n'est pas vécu. En tant que femme et en tant que mère, capacité de rassembler, capacité de rechercher dialogue, rechercher consensus, sont des choses que femmes gagnent en général. Mmh. Et moi, je pense que c'est un gros atout pour que nous permettons ensemble que l'organisation politique Famille Lavalas avance à niveau côté lié aujourd'hui. Intéressant. Donc Haïti, t'as pi mot, t'as pi bon, pi mieux, si son femme qui jita sous chaise bouillée, d'après vous. Oh, parce que femme gère plus bien. Vous pensez ça? Oh oui, femme gère plus bien. Ma bon mati, et moi connais, c'est le regard des femmes haïtiennes. Ah oui, c'est vrai. C'est potomite en caille, c'est potomite en foyer, c'est maman, c'est professionnel tout. Ouais. Et ils arrivent vraiment à articuler, harmoniser différentes rôles, ça y est, oui, pour obéir le meilleur de eux-mêmes. Bon, ou d'accord, tout que nous société quand même, mes chauvinistiques qui a regardé, qui dit, nous femmes, ou quoi? Qui sont répondre, messieurs, ça qui a regardé, qui dit, est-ce que c'est vrai, nous avons accepté une femme président pays? Bon, de toute façon, bah, elle a devant yeux là, bah, elle a face là, il a obligé, il a le choix. Très bien. Et je pense que le peuple lui-même, il résout le problème là, il dit, bah, maman. C'est pas vrai, ça c'est bien. On va laisser docteur Marie Nassis, qui t'a dit le dernier mot. Caméra devant, diaspora abgado, le monde abgado, pourquoi pas, citoyen ici en Haïti ou tout. Un dernier mot qu'on est capable de dire, peut-être plus qu'à voter pour, pourquoi pas, et pour capable rassurer, pour tout bon vrai, l'offchita sous chaise bourrée, ou fait travail, ou servir, et ou capable de mettre le pays sous voie de développement. Moi, je pense que d'abord, que trajectoire, moi, déjà rassuré, parce que son trajectoire de service que lié, okay. Et moi, je pense que moi, comme je l'ai dit, c'est mobilisation. Général, pour que 9 octobre 2016, nous refait au 16 décembre 90, pour que le peuple haïtien qui a rejoint l'IT. Voilà. Merci un peu. Sous moi, ça m'a répété les mots de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Et fort dignité, nous avons construit ensemble avec vous, pour nous faire dignité. Mais mobilisation générale, ça, c'est pour justement pour permettre que force dignité a construit fort dignité. C'est ça. Merci un peu, Dr. Nassis, ça a été un plaisir, encore une fois. Nous, ouais, que ça veut dire, mes amis, c'est pas vrai, non? Et Dr. Nassis, pas bébé, il n'a pas parlé, il n'a pas parlé en pile tout, et en pile bas, il dit qu'il est bon. Nous remercions pour ça. Et Diaspora, je vous remercie. Puis, pas oublier Diaspora, s'il vous plaît, parce qu'il est très important, parce que fois ça, nous croyons que si la Diaspora est impliquée dans la prochaine gouvernance du Dr. Nassis avec le Parti Famille Lavalas, le pays va avancer. Et c'est mon moment tout avant de m'aller pour me dire, nous. Nous avons besoin de participation dans toute bagaille, dans toute décision qu'on prend pour le pays. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. C'était Valério Saint-Louis. Un plaisir d'avoir eu avec nous sur notre plateau le docteur Maryse Narcisse et peut-être la prochaine présidente de la République d'Haïti après Erta. Ce sera peut-être Maryse. Je suis Valério Saint-Louis. La
parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'il faut pour vous, mesdames, et vous aussi, messieurs, lorsqu'il s'agit de cadeaux et de senteurs exotiques de parfums en provenance de Paris et de la ville de Grasse. À la parfumerie de Barbara, vous trouverez des parfums de grand nom et de renommée internationale pour hommes, femmes et bébés. Oui, parfums pour bébés. Senti bon coûte cher, c'est vrai, mais avec la parfumerie de Barbara, senti bon au rabais. C'est comme ça, soit acheter un parfum, il aurait tiré 10$ sous l'ivou, soit acheter deux parfums même, il aurait tiré 25$. Dans la parfumerie de Barbara, n'a besoin de meilleurs produits de beauté, parfums qui sortit directement dans le pays, la France. Déodorant, Obaro, Prétil, Bourgeois, Fa, Rexona, Bien-être, Fenjal, pour le bourgeois même à gogo dans la parfumerie de Barbara. Crème pour le corps, Mixa, Belda, Montsavon, Bourgeois, gel de douche, de grand nom s'il vous plaît. Visitez la parfumerie de Barbara au 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ou bien appelez Barbara au 516-805-2318 et elle vous rappellera, si vous l'aviez oublié, que la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. Pour marquer d'une touche spéciale les moments qui n'arrivent qu'une seule fois dans votre vie, tels que votre mariage, la première communion de vos enfants, baptême, fiançailles, anniversaire, Sweet 16, vous avez certainement besoin de l'expertise des professionnels de Téléimage Production qui vous garantissent un service de première classe, avec une attention particulière et surtout un prix abordable. Téléimage Special Package, pour seulement $2,999 pour les services de vidéographie, maître de cérémonie et DJ. Mes amis, Téléimage paraît avec un special package côté que tout le monde qui prêt à le marier a capable save sous prix vidéographie, maître de cérémonie, DJ, photo avec limousine. Pour seulement $2,999 ou a capable marier entre l'église, fait belle réception mariage ou sans problème. Téléimage special package pour seulement $2,999 pour vidéographie, maître de cérémonie et DJ. Relais Téléimage depuis Kouniana pour plus d'informations. Pour ne pas bénéficier de special package ça, dans 516-805-54-10, 516-868-35-30. Téléimage Special Package, côté que Téléimage Production a desservi avec classe, professionnalisme et les garanties ou satisfaction. Zoom, yon compagnie transfère l'argent à travers PayPal qui est toujours bon côté. Voyez l'argent en Haïti sans perdre de temps et puis aller chercher l'INACAM ou bien Unitransfer. Service clientèle nous disponible 24 sur 24 dans téléphone pour répondre toutes questions gagnées. Restez tête frette. Nous garantissons l'argent arrivé sans problème. Dans le cas contraire, nous promettons comme vous. Installez l'application et puis voyez l'argent en toute confiance. Zoom, moyen qui est plus facile pour voyer l'argent en Haïti. Baiser volé, le nouveau parfum Cartier.